Wesh tout le monde, j'espère que vous êtes chaud. Moi je le suis, même si j'ai pas dormi. J'ai pris le train, je viens de Paris. Je suis éclaté, j'espère que ça se voit pas trop. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit, pour la première vidéo explicative du dernier clip que j'ai fait pour Marty. Clip nudes, réalisation et animé par moi-même. Voilà, c'est tout, vous êtes chaud, allez c'est parti. Remettre un petit peu dans le contexte, Marty c'est un pote de longue date. Ma première cover, ça a été pour son groupe Lutèce avec Yann Bandoren et c'était ça. Rien qui tourne sauf ma tête, tu es dans le mal et je pense à me refaire plus. Jamais l'air voir mon tout strain. Et pour toi je me lève pas, je bouge pas dit. Du coup, Marty m'a contacté pour réaliser un de ses clips. C'était prévu avant le confinement, donc pour le single nude, de tout shoter au téléphone et vraiment raconter une histoire autour du sexto, relations hommes-femmes, les réseaux sociaux, tout ça. Chose qu'on n'a pas pu faire, on s'est retrouvé confiné et on a dû trouver des solutions. Faut savoir un truc, les gars, il n'y a pas de problème, que des solutions. C'est ma devise. Bref, donc on est tombé à la conclusion de faire un clip en animation. Alors avant tout, quand je suis parti dans ce processus-là, je voulais vraiment faire quelque chose de très épuré, une imagerie très simple et des premiers visuels d'ailleurs. C'était ça. MT, je veux pas que tu vois des news, je veux que tu m'envoies des nudes, vois des nudes. MT, je vais te faire une offre, je suis dit c'est faire une offre, mais là je suis bloqué là, tout s'efface, marche pas dans mes pas, dans mes pas. Je suis bouffé par tout se passer comme un clash, j'écoutais pas. Donc j'ai vraiment fait à peu près une minute pour essayer de trouver une base assez solide. Et en fait, suite à plusieurs recherches et à force de travailler justement mes tableaux, j'ai commencé à avoir vraiment une perspective plus importante et j'ai fait ce visuel. Du coup, ce visuel-là, en fait, il est ultra impactant, beaucoup plus profond et plus narratif. Avec le morceau, ça collait grave. Et j'ai décidé de reprendre tout le clip et de vraiment proposer une histoire, mais qui, du coup, pour le spectateur, peut avoir vraiment un sens totalement différent. Je veux vraiment que chacun puisse avoir sa propre interprétation. Et voilà, c'est tout. Tu vas faire quoi? Bref, si vous voulez checker, c'est dispo sur YouTube. Et n'hésitez pas à commenter aussi en me racontant votre propre interprétation. Je suis sûr qu'il y a des petits coquinous, là, qui peuvent raconter des petites histoires, des petits trucs, des petites perceptions marrantes. Et puis voilà, c'est tout, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, je kiffe faire ce format-là. J'ai pas du tout l'habitude. Mais franchement, ça peut être marrant. Le décor, ça va changer un petit peu parce que je suis un globe-trotteur entre Bali, Paris, le Sud. Eh, les gars, je vais vous faire voyager avec moi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à mettre de putain de clics partagés. On se retrouve bientôt.